Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour ce fan game. Je ne pensais pas du tout vous en reparler après ce qui s'était passé il y a 4 ans à cause des décisions de Nintendo, mais grâce à la magie de Twitter et un retweet du créateur, nous sommes sur Another Metroid 2, le Return of Samus, encore une fois, le fan game qui a été delete par Nintendo. Mais si vous regardez bien en haut à gauche, nous sommes sur la version 1.5.2. Et ouais, en 4 ans, le projet a continué. Plein de choses se sont faites dans l'ombre, se sont partagées, et nous y voici. Et tout le monde s'en fout en France, du coup je me permets, bonjour chers français, le meilleur fan game du monde il est là, hein. N'achetez pas Return of Samus sur 3DS, c'est de la merde. Donc, on va voir. Je vais tenter de vous expliquer tout ce qui a été rajouté, amélioré dans cette version 1.5, sachant que ça va encore changer au fur et à mesure des années. Donc, déjà, vous voyez là plein de sauvegardes, c'est tout à fait normal. Je vais, en fond, passer une vidéo du jeu, de quelques éléments du jeu, normalement, avec les gros changements. Dans les extras, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, notamment les shaders. On avait l'olive, on avait le bleu, le noir et blanc. Maintenant, on a le virtual troïde qui fait un petit peu mal. On a le vert et on peut personnaliser. Alors, personnaliser, je ne sais pas trop comment on peut faire. On a d'autres trucs, c'est-à-dire que lorsqu'on a le bébé Metroid, on peut choisir si oui ou non il nous suit. Le costume de fusion, c'est en fonction du temps que vous allez mettre. Et bien sûr, pour les runners, hein, le temps que vous mettez à faire le jeu. Bon, moi, je laisse tout ça comme cela. Sachant que ça, il faut déjà avoir terminé le jeu une première fois avant de l'obtenir. Sur le menu des parties, quand on finissait le jeu, il y a ma save. Donc, la save classique, quand on finissait le jeu une première fois. Lorsque vous faites un New Game Plus, la seule chose qui va changer, c'est le nombre de Metroid que vous devrez combattre, c'est-à-dire qu'il ne vous mettra plus les nombres de Metroid dans chaque zone, mais le nombre de Metroid total dans le jeu. Et il y a un mode partie aléatoire. Le mode classique, aléatoire divisé et M2R. On verra chacun de ces modes. Le mode M2R, en gros, c'est comme les randomizers sur A Link to the Past et mes Super Metroid, c'est les plus classiques. Il y a aussi un petit peu pour de Isaac, pour ceux qui veulent, mais voilà. Ce qui va changer dans ces seeds, dans ces parties random, c'est les emplacements des items que vous récupérez sur les statues Shozo. En gros, la première amélioration que vous récupérez en général, c'est la bombe morphique, classique. Et bien, il se peut que vous récupérez totalement autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer par exemple un super missile, vous pouvez récupérer une bombe de puissance, ou bien même, pourquoi pas, le costume Varia. Et pourquoi pas encore le Shine Spark ou d'autres choses. On peut utiliser bien sûr des sites custom. Deux modes de difficulté même. Le labo extrême lorsque vous irez dans le laboratoire génétique qui se trouve dans une zone optionnelle du jeu où là c'est l'enfer. Et le mode Insanity que je n'ai pas fait où il y a juste, comme vous voyez, aucune sauvegarde. Nous allons donc voir un petit peu la première partie aléatoire. Donc sur le mode classique, ce qu'il change. Alors, oh tiens, je découvre des choses. Objet seulement ou chemin de départ? Eh bien, si je change mon endroit de départ, je vais passer tout ça. Ouais, bah j'ai mon Metroid. Donc là déjà, j'ai le petit Metroid. Comme vous le voyez, j'ai toujours ma vie, mes 30 missiles de départ. Oui, vous allez entendre ce Metroid tout le temps. Et voyons voir ce qui a changé. Alors je vais faire des coupes si j'ai jamais c'est trop long. Donc vous voyez, première chose qui se passe, normalement ici il y a de la lave qui vous empêche de passer en vous disant bon, faut faire toute la zone juste à côté, détruire le Metroid et en fonction les Metroid vont descendre. Dans les modes random,
toute la carte est accessible. C'est-à-dire que là, comme ça, je peux directement aller au boss de fin. Et dans les boss les plus compliqués. Je ne vais pas faire ça pour le moment parce que c'est un petit peu... c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc là, c'est la porte où je vais trouver la première amélioration. Et c'est cette porte qui va me servir d'exemple à chaque fois. Donc là, par exemple, déjà, on voit que j'ai directement accès au super missile dans cette zone, ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est une amélioration classique. Et j'ai un rayon de charge. Voilà. Donc là, normalement, je dois avoir les bombes morphiques, j'ai un rayon de charge. Donc, le mode classique, c'est déjà pas mal. Maintenant, si je vais voir sur un autre mode, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, présenter tous les modes possibles et inimaginables. Donc là, on voit mon mode classique avec la run de ma seed. Si jamais vous voulez partager vos seeds, vous envoyez ce numéro et puis vous dites à vos potes, hey, c'est trop bien. Alors ça, c'est un parti classique, je peux aussi changer les objets, mais si je fais un aléatoire divisé. Alors, aléatoire divisé, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, je découvre aussi. Hop, on recommence. J'ai toujours la commande métroïde, ce qui est normal. Et on est reparti pour cet exemple. Donc, pour celle-ci, en aléatoire divisé... Ah, ça a l'air d'être à peu près normal. Ah non, j'ai le rayon aveugle. Donc là, déjà... Le 100% sur ces runs-là, ça va être compliqué. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu pour les runs aléatoires. Le mode M2R, je l'ai fait dans mon coin, je l'ai testé. Et c'est la même chose, en gros. C'est juste comme ça que ça s'appelle. Donc, à part les noms, les parties aléatoires sont les mêmes. Donc, je vous encourage à les essayer. Dans les galeries, sinon, tous les artworks que vous avez débloqués en fonction du temps que vous allez mettre et du pourcentage de complétion. Donc là, magnifique petit artwork, hein, très très beau. Et je pense que c'est là-dessus que va se terminer ce fan game. C'est juste une vidéo update du projet. C'est pas très très long, mais le projet est toujours vivant, il est toujours là. Et malgré les certains petits cafouillages que j'ai dû faire, les oublis ou les mauvaises choses que j'ai dû expliquer, parce que les modes random, bah... Je ne connais pas trop sur ce sujet. J'espère quand même que le regain d'intérêt que vous allez avoir pour ce jeu est là. Que vous allez essayer de le faire. Que vous allez le faire surtout. Et que vous félicitiez tout le travail qu'il y a derrière. Pour avoir accès au jeu. Pour avoir accès au jeu. Parce qu'il faut quand même que je vous dise comment avoir accès à ce jeu. Pour avoir accès au jeu, tout est mis en bas, à droite. Voilà. Y a un Reddit. Et ça, c'est génial parce que c'est sur Reddit que je l'ai trouvé. C'est expliqué en anglais pour savoir comment mettre le jeu à jour. Mais une fois qu'il est à jour, il le sera tout le temps en passant par le launcher prévu à cet effet. Je le mettrai aussi en description, si jamais. Et allez sur Twitter féliciter cet homme, Docteur M64. Vraiment sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Dites aux gens que ça existe, que c'est mis à jour. Abonnez-vous s'il vous plaît, je fais des vidéos tous les mercredis à 15h30, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du rétro, que ce soit des fan games ou d'autres choses plus ou moins intéressantes. Il y a Twitter évidemment, il y a Instagram, et puis mettez un petit commentaire si vous avez des fan games intéressants dont je pourrais parler et votre expérience sur ce jeu, c'est aussi intéressant. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un autre fan game.